de 57 km exactement, semis d'embûches sur des petites routes, donc je sais pas si c'était à 80 à l'heure à l'époque, je ne sais pas. C'est un petit clin d'œil ça, un petit clin d'œil. Deuxième étape, le conseil c'était... départemental n'est pour rien, hein. Pas du tout. Pas non. Deuxième étape, c'était Bonneval-Broux par les petites routes, hein, pour les faire encore 57 km. Alors en fait au départ, il y a 18 km en ligne droite, mais ils avaient fait 57 km, hein, mais c'était que du bonheur. Dans Broux, il y avait la Gymkhana pour la destérité des pilotes, et c'était retour du Châteaudun par Saint-Denis-les-Ponts, par la montée du Guichet, au départ de la rue du Val. Et pour se rendre, à votre avis, dans la minimum de temps, c'était en fait l'arrivée à la place du Calvaire. Oui, joli. C'est sympa quand même. Le nom, super. Donc voilà, alors avec Alice Bonnet, bah merci encore. Bah, Écurie 28, tiens, au travers de son président Serge Vanier, qui est ici. Il est concentré, Serge. Hein. Merci à Serge, de toute façon, pour toute cette organisation magnifique, tous ces bénévoles qui mettent tout leur cœur. Et puis les autres, je vois que les gens sont tellement heureux d'être au volant de leur petit bolide. Je leur souhaite une bonne journée. Voilà, il y a 16 personnes à Écurie 28, il y a une dizaine de bénévoles. En fait, en gros, il y a une trentaine de personnes sur le staff, sur place ici même. Et puis on salue également tous les magasins qui ont ouvert ce matin et tous les magasins avec les places, les terrasses qui commencent à se remplir parce qu'il faut aussi également, messieurs dames, rester avec nous. Là, il va y avoir un petit peu une accalmie. Faites un petit tour sur les stands, faites un petit tour sur les restaurateurs qui sont à votre disposition. Puis qu'est-ce qu'on peut dire, chère Alice Bonnet? Profitez de cette belle journée à Châteaudun. Merci à vous. Merci Alice.